J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais cette fois, la banque est intraitable. Si dans une semaine, le versement de 50 000 $ n'a pas été fait, nous ferons une saisie sur le garage. Vous me feriez une chose pareille? Ce n'est pas moi, c'est la banque. Vous êtes la banque, Vincent. Pour vous, oui, mais vous le savez très bien, je ne suis qu'un petit exécutant. Si je vous accorde encore un délai, ils me mettront à la porte. Vous vous retrouveriez un job, mais ce garage, on ne pourra jamais le remplacer. Vous espérez réellement que je vais sacrifier ma carrière pour vous? Vous le feriez si vous vouliez vraiment m'aider. J'ai déjà fait beaucoup. Ma direction est intransigeante. Je suis désolé, Cathy. Ça n'a rien de personnel. Tout ce qui se rapporte à ce garage m'est très personnel. Mon père l'a construit et mon frère est mort pour lui. Ce n'est pas n'importe quel garage. C'est peut-être ça le problème. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. La banque a été impressionnée par mon plan et séduite par mon charme. J'ai réussi à reconsolider la dette et à étaler le paiement des échéances. Je croyais que tu l'avais déjà fait le mois dernier. Oui, je l'ai refait ce mois-ci. Écoute, les gars commencent à avoir faim. Alors pour une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas se faire livrer des pizzas, histoire de changer? Excellente idée, Smitty. Je téléphone tout de suite. Franchement, il n'y a pas de quoi vous mettre dans cet état, monsieur l'agent. Pas monsieur l'agent, inspecteur. Et les trottoirs sont faits pour les piétons. Là, c'est fait pour les voitures. C'est pour ça qu'on appelle ça la chaussée. Oui, mais les voitures font du surplace. Il fallait bien que je passe quelque part. Vous auriez pu tuer quelqu'un. Oui. Surtout si ce quelqu'un avait été trop bête pour se pousser. J'aurais donc rendu service au genre humain en l'éliminant de la surface du globe. Un truc comme la sélection naturelle. Vous voulez peut-être que je vous convoque pour non-respect du code de la route? Pas de soucis si ça peut vous faire du bien. Et à en juger par votre chemise tout amie de Ness, on a tout l'air. Ne dépassez pas les limites, d'accord? Dépasser les limites, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. À votre âge, il serait temps de vous y mettre. Oh, c'est pas vrai. Elle croit que le monde lui appartient. Et elle a raison. Reçu pour 100 balles, on va vérifier officier. Tout ça parce qu'elle est jeune, riche et qu'elle est mignonne. Y'a que ça de vrai. Oui, je veux une dépanneuse. Oh, et un expresso. Ciao, Maria. Tu as livré la dernière pizza avec 3 minutes de retard. Faut être taré pour se plaindre pour une pizza qui a 3 minutes de retard. Pas tant que ça, puisqu'elle est remboursée. Salut. Crois-moi que les clients, eux, ils laissent rien passer. Tu m'as coûté 2 pizzas ce mois-ci. Elles t'ont rien coûté, tu les as déduites de ma paye. Quittez pas, s'il vous plaît. Si t'es en retard encore une fois, t'en auras même pas de paye. T'as un quart d'heure pour me livrer celle-là. Tu crois que tu peux y arriver? Même sur une jambe, j'y arriverai. Grouille, 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 plus vite. Quoi? Demi-tour. Vers le mur. Il bouge pas. À toutes les unités, braquage en cours. Suspect armé et dangereux signalé au nord. Tâche de pas aller trop vite. Les flics ? C'est quoi cette merde ? Hey. Trouille, fais quelque chose !
Je sais ce que je fais. Ralentis. J'ai pas envie de le perdre. Tu préfères avoir un accident? Aucun risque. Hé, hey, toi, mais où tu vas? Dégage, allez! Oh, ça va être serré, là. Ah, oh, ça y est, on a gagné. Il y en a deux, maintenant. Ils sont juste derrière. Accélère! Vas-y, vite! J'essaie de rattraper le type devant nous. C'est bien ce que je disais. Ordres. C'est quoi cet arrêt? Rien à payer, je te remercie. Tu vas pas me faire ça. D'ailleurs, avec toutes les dépanneuses que t'avais sur la route, il me semble que t'aurais très bien pu aller les chercher toi-même, ces pizzas. Oui, mais elles n'auraient pas été gratuites. C'est à mon mari, mais elle est nulle. Elle m'a pas amenée où je voulais aller. Une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps? Non, c'est exact. C'est bien triste. Ce n'est pas n'importe quelle voiture. C'est une voiture qui demande une conduite souple et ferme, en permanence. Il veut dire que quand une voiture ne sert pas très souvent, les durites s'assèchent, les fuites commencent à apparaître et un peu de rouille avec. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. C'est important que les colliers soient serrés et les pistons lubrifiés. Ah oui? Et comment le savez-vous? J'ai déjà soulevé quelques capots. Mes gars ont très faim et les pizzas refroidissent. Ce serait peut-être temps de les livrer, non? Tiens, et garde la monnaie. Merci de vos conseils, Pizzaiolo. Pas de quoi. Vous avez mon numéro.
La plupart du temps, ce n'est pas très compliqué. De l'essence qui remonte dans le filtre ou une batterie à plat. Quel que soit le problème, Madame Devereaux, votre véhicule peut être prêt demain après-midi. C'est vous la mécano ? Je ne porte pas cette tenue par simple plaisir. J'en doute, mais en revanche, lui, ce n'est pas par plaisir qu'il porte la sienne. À ce propos, il commencerait peut-être à vous remarquer si vous lui rappeliez que vous êtes une femme. Je n'ai pas besoin qu'on me remarque. Avant de commencer, je vous appelle pour vous dire ce non, que ça... Non, pas la peine. Faites juste votre travail. Pauvre taré. Tu crois vraiment que tu intéresses cette femme ? Ouais, pourquoi ? Parce qu'elle est mariée et riche. Les femmes comme elle grimpent l'échelle sociale en collectionnant les mecs qui les entretiennent bien. Toi, tu n'es qu'un petit livreur de pizza. Alors aide-moi à changer de vie. Laisse-moi piloter pour toi. Tu ne livres même pas les pizzas, alors. Je suis le meilleur. Donne-moi les clés d'un de tes bolides et 5 minutes de ton temps et je te promets que tu auras les cheveux plaqués en arrière. Fais-moi confiance. Désolée, je ne peux pas. Mon petit cousin n'a pas tout à fait fini de régler l'allumage. Petit cousin ? Tu es plus jeune que moi, ce que je voulais dire. Ce n'est pas parce qu'une femme dit quelque chose qu'elle attaque ta virilité. Oh, que si. Allons, s'il vous plaît. Ok, j'ai un penchant pour les Américaines. Mais pour une fois, j'oublierai mes exigences et je prendrai une japonaise. Je ne crois pas, celle-là a un pilote. Mais quand l'autre sera prête, vous aurez besoin d'un pilote et je me porte candidat. Je veux faire mes preuves. Tu es sûr que tu pourrais conduire un véhicule qui a plus de 2 roues? Ma bécane! Oh non! Je veux que cette voiture roule et remporte des courses. Elle ne me rapporte pas d'argent en restant dans le garage. Si je la répare aujourd'hui, je pourrais courir avec? D'abord le livreur de pizza et maintenant toi. Rainer, tu n'as pas ton permis. Estime-toi heureux qu'on te laisse la garer. Ta mère reviendrait du Canada et me tuerait si elle savait ça. Ma mère ne reviendra de nulle part, sauf si son 4e mari voulait divorcer. Et s'il y en avait un 5e prêt à l'épouser. Les voitures, c'est un peu comme les femmes. Leur donner beaucoup à boire, ça ne les rend pas plus rapides. Elles ne tiennent plus debout, te vomissent dessus. Et puis s'endorment jusqu'au lendemain. Toi, tu dis que le mélange est trop riche en essence. Tu te trompes. Pourquoi je me trompe ? Bah, regarde les courbes. L'allumage, l'arrivée d'essence, la température du moteur, la pression d'huile, les tours minutes, tout est parfait. Rainer, c'est qui le mécano ici ? Toi ou l'ordinateur ? C'est moi. Alors fais ce que tu dois faire. Un vrai mécanicien, il regarde. Il sent. Et il écoute. Cette voiture te dit simplement qu'en lui faisant cracher ses vapeurs, elle roulerait beaucoup plus vite. Donc tu vas me retravailler ce mélange. Prends ça et essaye mon logiciel personnel. Tu ferais mieux de te mettre à les rédiger, ces rapports. Et où est-ce que tu vas, là ? Dans ma bibliothèque particulière. Excusez-moi, monsieur. Je crois que c'est vous qui menez l'enquête sur le braquage du café d'aujourd'hui. Pour l'instant, je voudrais enquêter sur ce gâteau, mais je suis encore dérangé. J'ai participé à la poursuite. Tu es donc le petit genou qui fait équipe avec le vieux Henri ? Oui, monsieur. Je peux vous poser une question. Pourquoi prendre autant de risques pour braquer un café ? Ça vaut pas le coup. C'est une façade. Une façade servant à William Stang pour une opération de blanchiment d'argent. Stang a la main mise sur le monde des paris clandestins depuis que je suis gamin. Et alors, le braquer, c'est suicidaire. Sauf si on est plus gros et plus méchant que lui. À mon avis, il a été attaqué par un gang au service de Grégor Gargolov, un mafieux venu d'Ukraine qui essaie de s'attaquer au territoire de Stang. Et vous n'avez arrêté personne ? Les employés du café se sont évanouis dans la nature avant notre arrivée. Donc, nous n'avons aucune victime, aucun témoin susceptible d'avoir vu les braqueurs, aucune preuve à exploiter. À quoi bon enquêter ? 2 officiers ont été blessés dans la poursuite, non ? J'en suis navré pour eux, mais il y a de vraies enquêtes qui m'attendent et je dois les boucler. Mais si vous pouviez résoudre celle-là ? Je monterais sûrement en grade avec de l'avancement. Tout ça pour te faire comprendre que c'est mission impossible. Je voudrais vous aider.
Mettez-moi en extra de jour, de nuit. Dès qu'il y a des corvées, moi, je suis partant. Tu pourrais me rendre un service qui ferait réellement avancer cette enquête. Qu'est-ce que c'est ? Laisse-moi terminer tranquillement mon déjeuner. Excusez-moi. En tête à l'entrée du second tour. Combien est-ce qu'on a en jeu sur cette course? J'ai mis tout ce que j'avais. 500 pour participer et 1000 de plus dans les paris. Comment, c'est tout? Ça coûte cher de maintenir deux véhicules en course, plus que ce qu'on gagne avec nos vidanges graissage. Pourquoi est-ce que tu le fais alors? Eh bien, quelqu'un qui peut faire tourner un moteur, qui sait équilibrer les pneus, qui peut percer l'âme d'une voiture et épouser ses formes. Ce quelqu'un est un artiste. Mais son art coûte cher. Si je ne trouve pas 50 000 dollars dans 6 jours, la banque prendra le garage. Quoi ? 6 jours ? Mais comment on va faire ça ? En étant présent sur chaque course, en pariant sur nos pilotes. Si je t'en parle, c'est parce qu'on est de la même famille. Et pour que tu décides à travailler plus vite. Maintenant, si jamais tu en parles à quelqu'un au garage, je te fais une tête au carré avec ton portable. Le garage n'est pas à la famille ? Ça n'a rien à voir. Mais alors explique-moi pourquoi tu te démènes autant pour le garder. Combien on peut gagner aujourd'hui ? 4000, peut-être 5000 dollars. Ça dépend de la mise totale. Et si on perd ? On devra vendre nos deux voitures demain. Il a l'air de savoir conduire, ce mec. Tout le monde sait conduire. Trouve-moi plutôt quelqu'un qui sait piloter. Tiens, sardine avec un peu de fromage. Celle que tu préfères. De un bon chien. Faudra bien que ton pilote fantôme perde un de ces jours. Tu veux parier ? Ah, oui. Hey, Steph ! Hey ! T'es venu là pour courir ou pour faire la sieste ? Bon, allez, quoi ? Qui veut courir contre Steph ? Comment, il n'y en a pas un seul ici qui en a dans le pantalon ? Pourtant pas commander de pizza. Peut-être que tu devrais. Comme ça, les lâches auront quelque chose à manger en voyant les mecs courir. Mise de 500 dollars minimum. Tu as l'argent. Non, mais tu vas miser pour moi et tu vas courir. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que si tu refuses, on va dire que le fric te sert d'excuse pour pas courir contre moi. Et surtout que t'as peur de perdre contre moi. Alors, si t'es pas trop bête, accepte le défi. Il va me falloir une garantie. La voiture est pas à moi. Oh, t'es qu'un petit livreur, c'est vraiment pas juste. Si je gagne, je te prendrai une main. Tu disais qu'il y avait un lâche ici? Vous êtes pas sérieux. Je tiens le pari. Quelqu'un qui ne peut pas gagner contre un chien ukrainien ou un américain dégénéré, il mérite pas de tenir un volant et encore moins de garder ses deux mains. Oui, d'accord. Je marche. Mais si je gagne, je prendrai l'argent. Et ton MP3.
Eh bien, montrez-moi d'abord vos billets. Est-ce que t'as appris à conduire comme ça, mon gars? C'était rien, qu'est-ce que tu crois? Une promenade de santé pour un mec comme moi. Tu crois? Et encore, t'as pas vu quand je me concentre. Je me trompe ou tu me dois un MP3? J'espère que c'est pas trop ringard ce que t'écoutes. Pas obligé de te cacher. Il y a déjà Smithy et Renner qui savent qui je suis réellement. Les courses en ville sont illégales. Je peux perdre ma place si mon patron découvre ce que je fais. Ou perdre la vie si les pilotes pensent que je les ai trahis. Tu ne l'as pas fait. Pas encore.
Un type du milieu s'est fait piquer de l'argent suite à une opération de blanchiment. Le chauffeur des braqueurs est sans doute pilote. Comment tu le sais? C'est une façon de conduire unique, un peu comme... Oli? J'ai cru que t'allais dire marcher. J'ai vu Steph faire les mêmes coups à ta course aujourd'hui. Je l'ai suivi, il est entré dans le garage d'un autre type du milieu. Si je peux arrêter Steph et le convaincre de se retourner contre son patron pour sauver sa peau, c'est le début de ma carrière. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je peux pas arrêter Steph sans révéler à mes supérieurs les pistes qui m'ont conduit jusqu'à lui. T'as qu'à mentir? C'est pas mon fort de mentir. C'est parce que tu es trop droit. Tu n'avais pas l'air de t'en plaindre tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne cèdes pas, hein? Même quand tu sais que ça te ferait gagner du temps. Tant pis. Faudra que je trouve un autre moyen d'obtenir la même information. Si tu as tellement peur que les flics découvrent que tu es pilote, pourquoi tu le fais alors? J'ai grandi en Bosnie pendant la guerre. C'était l'anarchie. J'avançais sans vraiment savoir où j'allais. Sans avoir de contrôle sur rien. Mais personne n'en a. Je ne veux plus jamais connaître une telle incertitude dans ma vie. Et quand je suis au volant d'une voiture, il n'y en a aucune. Comme si j'avais la maîtrise de tout le reste. Chaque fois, j'éprouve une sorte de paix, une tranquillité. Comme quand je suis avec toi. Parce que tu crois que tu me contrôles, moi? Non, parce que je t'aime. Il se pourrait que tu arrêtes bientôt de courir. Pourquoi? Tu n'aimes pas ma façon de conduire? Au contraire, j'aime beaucoup. Mais si je ne trouve pas 50 000 dollars dans 6 jours, la banque me prendra le garage. Il y en a plein des garages, tu en trouveras un autre. Comment peux-tu dire ça? Il n'y en a pas d'autre comme celui-là. Ma mère est morte quand j'avais 3 ans. Mon père quand j'en avais 16 et mon frère quand j'en avais 19. Ce garage est tout ce qui reste de ce que nous avions. Et si je le perds... Je les perds aussi. Ça n'arrivera pas. Tu entends? Comment tu peux en être sûr? Je vais gagner la prochaine course. Et l'autre après celle-là. Et les autres après celle-là. Et là, tu pourras payer. Tu ne le sais pas, ça. Je te le promets. Je vais te montrer comment je conduis, moi. T'as entendu? Oui, c'est une voiture, je crois. Continue à conduire. C'est un coupé qui n'a plus de joint de culasse et un radiateur qui fuit. Ah, attends, et alors? Cette voiture était comme neuve quand elle est arrivée au garage hier. Tu vas continuer à le frapper? Non, mais je vais le tuer! Tu te calmes! La voiture n'a pas bonne mine, mais j'ai gagné la course. Oh. J'en ai pris un peu pour payer mon loyer, ma note de bar et des dettes de jeu, mais tout le reste est à toi. Et c'est comme petit aperçu de tout ce que je vais gagner. Il y a 4000 dollars? C'est même pas le prix des réparations qu'il y a à faire! Cette plaisanterie va me coûter l'argent qu'on a gagné sur la course d'hier! Et même beaucoup plus! À ce point-là? Ah oui! Oh. Non! Pourquoi? Arrête. Tu l'as bien fait, toi? Parce qu'il va répliquer. Ouais, ben qu'il essaie. Tu sais que tu frappes comme on négocie un virage. Tu devrais moins réfléchir. Toi, tu réfléchis pas du tout. Chez moi, c'est un atout. C'est pour ça que je vais t'avoir ici ou sur la route. À toi de décider. Ici et maintenant. Écoutez, la cliente doit reprendre sa voiture demain. Comment je vais lui annoncer ça? Quoi? Pourquoi? C'est rien du tout, ça. Attends, c'est un garage ici. Tu vas la réparer. T'es là pour ça. Je suis là pour ça. Oh. Non, attends, Cathy. Non. Non, mais attends, reviens! C'est quoi ton problème? Hein? La route n'est pas assez large pour deux, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Tu as peur que si elle me voit conduire,
Elle te balance vite fait aux oubliettes. J'ai peur que tu lui prennes la chose qui a le plus d'importance dans sa vie. Quoi, toi? Tu me fais pleurer. Ce garage. Elle doit rembourser la banque dans 6 jours ou elle ferme. C'est toi qui as bousillé cette voiture. Si tu lui bousilles aussi son garage, je te jure que je te détruirai. De la caisse à refaire, garniture fusillée, culasse et radiateur, et plus d'embrayage. J'aurais préféré me tromper. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'être réparé? Peut-être le miroir passager. Ah, très drôle. Tu crois qu'elle sera trop occupée à s'admirer pour pouvoir remarquer le reste? Oh, je ne pense pas, non. Je peux savoir ce qui est arrivé à la voiture de mon mari? C'est moi. Il y avait une petite course hier. J'avais pas de véhicule, alors j'ai emprunté le vôtre. Et vous l'avez laissé faire? Non, c'est moi. Elle n'en savait rien. Mais pourquoi? J'avais besoin d'argent. Et puis je voulais prouver à Cathy ce que je savais faire. Quoi? Que tu peux envoyer des voitures à la casse? Que je suis un très bon pilote. Tu n'as pas voulu me donner ma chance, alors je l'ai prise. Bon, d'accord, si vous voulez appeler les flics, allez-y. J'attendrai qu'ils viennent me chercher. Mais sinon, je suis prêt à vous donner tout le fric que je gagnerai en remportant les courses. Et de quoi vous me parlez? J'ai gagné hier. Ah, et ça donne ça quand vous gagnez? Regardez-moi. Eh oui. Oui, ça donne ça quand je gagne. Une voiture, ça se répare quand on a les billets. Mais on ne peut pas acheter ce que j'ai ressenti. Ces courses sont illégales? Quand ça donne le frisson, en général, ça l'est, oui. Hey. Alors, pour la voiture? Bon, très bien, je marche. Montrez-moi. Après ça, je déciderai de votre sort. Mon mari est en voyage, il revient la semaine prochaine. D'ici là, cette voiture devrait être comme neuve. Vous vous fermerez. Vous voyez? Tout baigne dans l'huile des vidanges. Alors lui, il est trop... Sors d'ici. Sors. Salut, ça va? Quand est-ce que t'as enlevé tes roulettes sur le côté? Hier. Juste avant que je te batte. Quand vous aurez fini, vous astiquerez ma meule? Il y a autre chose que j'ai bien envie de t'astiquer. Hé, hey, elles étaient attendues, vos pizzas. Entrez. Par ici. Vous avez fait vite. Il n'y a qu'une chose que je fais en douceur. Donc vous n'avez pas fumé un bon cigare cubain, goûté un grand vin, ou bien encore, savouré un bon plat? Pas récemment, mais ça fait partie des choses que je dois faire cette semaine. Ma femme est chez son coiffeur et elle m'a laissé les enfants. Ils ont tout de suite invité un petit copain. Et ils ont faim et tout ce que j'ai à leur donner, c'est du caviar.
Ouais, ça vaut pas une napolitaine, ça. Les pizzas sont arrivées. Ouais, des pizzas, ouais. Mon nom est Grégor Gargolov. Vous m'avez impressionné. Livré en une demi-heure ou c'est gratuit? C'est notre mot d'ordre. Et je voulais parler d'hier. J'aime beaucoup les courses de voitures. J'aime votre façon de conduire. Même si j'ai battu votre pilote? Non, il ne l'est plus. Maintenant, c'est vous. Est-ce qu'il le sait? S'il est intelligent, il l'a su quand vous l'avez dépassé. J'ai peut-être eu un coup de chance. Je ne crois pas, non. Si vous pilotez pour moi, je fournis la voiture, je mise sur vos courses et je vous donne 10% de tous les gains. Je vous remercie pour cette offre, monsieur Gargolov, mais je me contenterai de $30 pour les pizzas et d'un bon pourboire. Voulez-vous me dire pourquoi? N'importe quel autre pilote saisirait cette opportunité? Je ne suis pas n'importe quel autre pilote. Ça, je veux bien le croire. Il vous dit quelque chose? Brad Pitt? Peut-être Justin Timberlake? Oui, c'est presque ça. Il s'agit d'un portrait robot diffusé par la police après un braquage raté dans le Tennessee l'an dernier. L'alarme était muette et les voleurs ont été arrêtés, mais le chauffeur, lui, a échappé à 12 voitures de police et à un hélicoptère. Il fallait le faire. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ça, personne ne le sait. Mais à mon avis, il a fui en Europe. Papa! Nicolas a mis sa pizza dans le lecteur DVD! Bien, oui, j'arrive. Eh oui, c'est ça le boulot de père. Il y a sans arrêt une crise à gérer. On en est déjà au 4e lecteur. Vous trouverez la sortie. Oui, j'ai un bon sens de l'orientation. Bon. Alors ça veut dire que vous reviendrez me voir bientôt. J'espère pour vous qu'il y a autre chose qu'un petit ampli, une pizza et quelques bières. Ou vous avez un pied en prison. On bouge en faisant en sorte de ne pas être suivi. Un rat ne pourrait pas s'approcher à moins d'un kilomètre sans que tout le monde le sache. Qu'est-ce que t'as parié? Les clés de la voiture. Ça couvre la mise et $20,000 sur la ligne. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les autres pilotes? Celui-là, à part allumer sa petite copine, il aime aussi mettre le feu aux oxydes nitreux. Alors attention, feu d'artifice. Ce genre de surprise ne me gêne pas. La course se gagne au fil des tours. Il paraît que la belle créature qui est là est une proue qui veut se faire de l'argent de poche en battant des amateurs. Ouais, elle va pas être déçue alors. Tu as l'air très confiant. Je tiens toujours mes promesses. Ne le renverse pas. Tour
prix? La mise des autres concurrents et les choses de valeur qu'ils ont laissées sur la ligne d'arrivée. Mais la plupart des pilotes seraient prêts à courir pour rien s'il ne fallait pas entretenir les voitures. Bah alors comment vous faites? On s'arrange pour trouver quelqu'un comme Cathy, piloter ses voitures et prendre un pourcentage sur ce qu'il gagne grâce à nous. C'est ma voiture que vous pilotiez hier, alors qu'est-ce que vous aviez à mettre en jeu? Oh. Je veux absolument conduire comme ça. Tentez-vous de regarder, c'est aussi excitant et moins dangereux. Mais être au volant, c'est autre chose. C'est moins facile que ça en a l'air. Alors vous n'avez qu'à m'apprendre. Allez, montrez-moi vos secrets, Pizzaiolo. Ça me sortira d'affaire avec vous. Disons que les choses seront différentes. Garage et tout ce qui me reste de ce que nous avions. Et si je le perds, je les perds aussi. Merci. Merci, c'est gentil. À la prochaine. Merci. J'espère qu'elle est en un morceau. Je voudrais pas qu'elle me coûte un centime avant de la vendre. Mais peut-être que c'est toi qui vas me la racheter, qui sait. Ça va, les gars? Fallait bien qu'ils perdent un jour, la chance ne peut pas toujours lui sourire. Tout vainqueur passe un jour du côté des perdants. C'est comme ça. Et ouais. Il vous faut une voiture. Mais j'en ai déjà une. Pas pour faire ça. C'est ça, t'es un petit malin, toi. Je comprends pas qu'on perde notre temps sur cette voiture. Cathy a dit de la réparer. Et quand on commence un boulot, on le finit. Elle va perdre le garage, de toute façon. Et alors, tu ne veux pas qu'elle perde son intégrité, part-il marché? Ça se passe bien? Bah, on va avoir besoin de pièces. Mais il faut trouver un fournisseur, et ça, c'est pas gagné, comme on dit. On paiera cash. Ouais, et l'argent, tu le trouveras comment? On vendra une voiture. Tu peux pas? On a encore une semaine, Madame Devereaux. Appelez-moi Nicole et vous pouvez laisser ma voiture pour l'instant. J'ai une nouvelle priorité. Je veux que vous me procuriez une voiture pour courir. Il se trouve justement que j'en ai une à vendre. Wow, doucement, tu parles de quelle voiture exactement? Je parle de la meilleure. Ouais, justement.
C'est pour ça que tu peux pas la vendre. On t'a rien demandé, retourne à l'atelier. Alors, je vous arrête tout de suite, je veux pas d'une voiture d'occasion. J'en veux une toute neuve. Et je veux que ce soit vous qui me la construisiez. Je ne fais pas de jouets pour les femmes entretenues qui ne savent pas quoi faire. Je travaille pour des pilotes, des vrais. Non, non, attends, Cathy! Tu vas finir vendeuse de hot dog si tu ne trouves pas de l'argent, et très vite. C'est vraiment ça que tu veux? Prenez n'importe quelle voiture et faites-en une championne. Faites ce qu'il faut, et même plus si vous en avez envie. Je veux pas savoir ce que ça coûtera. Je veux juste une voiture qui morde l'asphalte. Je vais y réfléchir. Vous le ferez. Parce que c'est ce que vous aimez faire, et là, vous n'avez pas le choix. Tenez. Avec ça, vous aurez de quoi commencer. Appelez-moi quand ce sera fini. Alors, tu vas me dire merci, Mike, pour avoir sauvé mon garage? Pas vraiment, non. Je ne veux plus te voir ici. C'est comme ça que tu me remercies après tout ce que j'ai fait pour toi? Je peux gagner des courses pour toi, et tu sais que tu as besoin de moi encore plus qu'avant. Je ne veux plus jamais te voir dans ce garage, c'est clair. Même pas pour livrer une pizza. Très bien. Un peu dur avec lui. Tout ce qu'il veut, c'est courir. Il paraît qu'il est doué. Il est imprudent, irresponsable et très dangereux. Ouais, comme tous les pilotes que tu connais. Seulement ceux qui sont morts. Je ne veux pas de lui. On a une voiture à réparer, une autre à préparer, et seulement 3 jours pour faire les deux si on veut sauver ce garage. Alors commencez tout de suite. Et celle que tu vends? On la garde, pour l'instant. J'accepte de courir pour vous. Enfin une bonne nouvelle. Nous allons gagner plein d'argent et bien nous amuser. Attendez, c'est moi votre pilote. Oui, justement, tu vas emmener les enfants à l'école et ma femme chez son bijoutier. Et tu me rendras les clés, s'il te plaît. Non, 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 c'est pas la peine. Je ne veux pas d'une voiture qui a servi. Si je dois courir pour vous, ce sera sur une voiture qui répondra à mes exigences. Très bien. Allons à mon garage. Voyons ce que dit mon mécano. Steph. Vous avez déjà conduit une voiture de luxe? Je n'ai jamais conduit de corbillard, j'aurais peur de m'endormir au volant. Tu conduis. Écoutez ce moteur comme si c'était une symphonie. Aucune voiture ne ressemble à une autre. Il y a le ronronnement de léopard de l'allemande, le grondement volcanique de l'américaine, le son guttural de la japonaise. Mais une voiture personnalisée est par définition unique. Je veux me souvenir de celle-là. Vous ne pouvez pas comprendre. Onomatopée. Quoi ? C'est un mot dont le son suggère celui de la chose qu'il dénomme. Je ne suis pas seulement riche et belle, je suis aussi cultivée. Une raison de plus pour vous de me détester. Oh, quel bruit fait-elle ? Celui d'un orage qui gronde. Je vais vous montrer où est allé votre argent.
On a enlevé toutes les garnitures, la climatisation, les moteurs des vitres, bref, tout ce qui rend une voiture confortable et pratique, mais qui la ralentit. On a fait perdre près de 500 kilos à cette créature. Pour que vous puissiez vous arrêter, on a posé plus d'étriers de freins et de disques que la normale, genre d'un alliage personnalisé, introuvable dans le commerce, bien sûr. Bien sûr, oui. Nous avons préparé toutes les culasses, mis des coupelles en titane ultra légère. Cool! On a ajouté des indicateurs sur le tableau. Vous appuyez sur le bouton qui est là et votre voiture passera sur tout ce qu'il y a devant elle. On a ajouté des porte-papillons, complètement inutiles mais très flashy. J'ai pensé que vous aimeriez... Ah oui, beaucoup. J'aimerais que la voiture reste ici. Je vous paierai, bien sûr. Comme vous voulez. À propos, puisqu'on en parle, j'ai fait votre facture. Les pièces y sont détaillées. Ça ne paye même pas votre travail. J'ai fait le prix juste. Peut-être, mais ça ne sauvera pas le garage. Je pourrais vous faire un chèque là, maintenant, qui résoudrait tous vos problèmes. Ce serait échanger une dette contre une autre. Je ne veux pas vous devoir d'argent. Faut vous détendre un peu. La vie peut être beaucoup plus amusante, vous savez. J'ai 5 minutes d'avance, super. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'apporte la pizza que tu as commandée. Mais j'ai rien commandé. Non, c'est moi. Et je suis prête pour ma leçon de conduite. Avec quelle voiture? Avec mon nouveau bolide. Pas mal. Je devrais en tirer quelque chose. Règle numéro 1, ne jamais regarder en arrière, c'est pas ça l'important. Et si on se fait rattraper? Dans ce cas-là, il y a la pédale d'accélérateur. Ok. C'est parti, mon bébé. Bonne pause déjeuner. En fait, le truc, c'est de contrôler à la fois les freins et le volant. Oh. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie là? Allez-y. Ça vous permet de passer en tête. Mais ce qui permet d'y rester, c'est le calcul et la psychologie. Négocier les courbes, plonger à l'intérieur et surprendre son adversaire. Ou encore, faire en sorte qu'il ne puisse pas vous doubler. À votre tour. Où en est l'enquête sur l'affaire Stang? Elle recule. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est l'endroit où Stang vient déposer l'argent de ses opérations de blanchiment. Et qu'est-ce que tu en sais?
Les mêmes hommes arrivent avec des sacs de sport tous les jours. Et quand ils repartent, 20 minutes plus tard, les sacs sont vides. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient pleins d'argent. C'est peut-être des fournitures de bureau. Et lui, là, pourquoi est-ce qu'il reste dehors en surveillance? C'est lui qui conduisait le véhicule qu'on poursuivait. Et toi, qu'est-ce que tu faisais en planque devant ce bâtiment? J'ai tourné dans le quartier de Stang pour voir s'il n'y avait pas les véhicules que j'avais repérés le jour du braquage. Tu veux dire que tu as relevé les numéros de plaques des véhicules garés devant le café? Je suis inspecteur, alors. C'est un peu mon métier. J'ai donc vu ces mêmes voitures garées devant le bâtiment pendant que je surveillais les allées et venues. Je pense que Gargolov prépare un autre braquage contre Stang. Si c'est le cas, on pourrait attendre qu'il passe à l'action et faire d'une pierre deux coups en arrêtant deux truands sur la même opération. C'est à ça que je pensais, monsieur. Je vais y réfléchir. Après avoir vérifié tes soupçons, je demanderai l'envoi des forces spéciales dans le secteur pour une surveillance en continu. J'aimerais faire partie de l'équipe, monsieur. Oui, je verrai ça. Il n'y a pas que ça. Tu as de la visite. Je vous demande un moment, monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas passé me voir. Tu ne réponds pas au téléphone, alors je suis venue. Qu'est-ce que tu veux? Te donner ça. Je t'assure que je ne t'en veux pas d'avoir perdu la course, Eric. Ouais, ça doit être pour ça que tu as baisé avec un autre à peine 2 heures après. Donne-lui les clés à lui. Vincent n'est pas pilote, il est banquier. J'espère au moins qu'il t'a accordé une extension de prêt, ou alors c'était pour rien. Non, apparemment. Tu as suivi Mike? C'est mon job. Quelque chose me dit que c'est un criminel en fuite. Et si c'est le cas, je devrais l'arrêter. Tu ne peux pas faire ça. Dis-moi ce que j'ai à perdre. Tout ce que tu aimes. Je l'ai déjà perdu, ça. Je voulais dire que tu ne ferais plus de courses. Non, arrête. Je sais très bien de quoi tu parlais. Je n'ai jamais dit que je t'aimais, Eric. T'as jamais dit que tu ne m'aimais pas. Je ne peux pas bâtir une relation avec un pilote. Mais tu peux te jeter dans les bras d'un autre. Quelqu'un qui ne va pas mourir dans une épingle à cheveux. Il a beaucoup plus de risques de se tuer en conduisant que moi. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je veux que tu reviennes. Dans ton lit et dans ta voiture. Mais pas dans ta vie. Ça a toujours été ça pour moi. Je ne crois pas à ça. Tu peux croire ce que tu veux, mais tu as besoin de courir. Et tu n'as pas de voiture. Moi, j'en ai une pour toi. Ça va venir. Contrôlez les gaz. Attaquez le virage.
ici à droite. Ouais, ça y est, c'est gagné. Mettez les gaz, lâchez les freins et basculez sur l'embrayage. Attaquez le virage. C'est votre premier drift. Pas trop bousculé? À toi de me le dire. Mets les gaz, lâche les freins et fais péter l'embrayage. J'aime mon mari. Ça m'est égal. Oh, parfait. Surveillance permanente à partir de ce soir. Tu veux en être ? Absolument, monsieur. J'arrive tout de suite. Elle est prête. Tous les réglages sont vérifiés. C'est génial. Tu vas te remettre sur la voiture de Madame Devereaux. Tu rigoles ou quoi? Tu me vois rater la course? Je veux voir ce petit bolide en pleine action. On ne court pas. On n'a pas de pilote. Mais quoi, il n'y a pas Eric? S'il avait pu venir, il serait arrivé depuis longtemps. Il ne reste plus qu'une journée, Cathy. On est obligé de participer. Non, puisqu'on vend la voiture demain. Je peux faire un tour de parking avec ? Même deux, si tu veux. Mais ramène-la intacte. Il est où ton appart, alors ? Tout en haut. Question idiote. J'aimerais le visiter. Tu peux m'avoir moi, mais ça s'arrête là. Je ne veux pas habiter avec toi, je veux juste voir comment tu vis. Bah, tu le vois bien, non? Pour le reste, ma vie appartient à Gustave. T'as peur qu'on te voie avec moi? T'as peur de te faire prendre? Mais il connaît mes besoins. Non, et il est satisfait pas? Si, il est satisfait, à sa manière. Il me laisse mon indépendance et ne pose aucune question. Et toi? Aucun de nous ne s'attend à ce que l'autre reste fidèle. L'important, c'est qu'on continue à s'aimer. On est attachés, mais en toute liberté. Que pense-t-il de l'argent que tu as mis dans cette voiture? Oh, il s'en fiche. Je peux dépenser ce qu'il me donne comme j'en ai envie. Je n'ai pas de compte à lui rendre. Bah alors, tu pourrais me filer 100 000 dollars s'il n'en a pas besoin. Je suis censée dépenser cet argent uniquement pour mon plaisir. Ça ne te ferait pas plaisir de me donner cet argent? Bah, tu veux vraiment que je t'achète? Ça te ferait plaisir d'être ma propriété? Je le prendrais pas comme ça. Mais comment tu le sais? Parce que Gustave t'a acheté et ça te réussit plutôt bien. Excuse-moi. Je n'aurais jamais dû te dire ça. Si t'as un problème, Mike, dis-le tout de suite. Pas du tout. Je t'assure. Tu sais,
Il y a une chose que j'aimerais vraiment que tu comprennes. Ma vie est sans surprise. Toute tracée. Il n'y a rien d'improvisé. Et j'ai besoin de remettre un peu de piment dans tout ça. Je veux sentir mon cœur battre comme s'il allait exploser. Je veux pouvoir exister en dehors de ce mariage, tu comprends? Et je crois que tu peux m'y aider. Mais une chose est sûre, je ne quitterai jamais Gustave, pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Jamais je ne te le demanderai. Je crois que ça vaut mieux. Rainer a pris la voiture et il n'est pas revenu. Est-ce que tu lui as dit que tu allais la vendre? Oui, je lui ai dit. Oh, bravo. Il est parti courir avec. Hé, je peux aller plus vite que vous, mais je n'ai qu'une place. Je vous rattrape. Allez, monte. Est-ce que tout le monde me reçoit ? Station 1, calme. Station 2, calme. Station 3, calme. Station 4, calme. Je sais pas comment j'ai fait pour convaincre les hautes sphères de laisser un jeune homme comme toi venir avec moi. Je sais, je vous remercie. Tu vas apprendre beaucoup aussi, à commencer par l'utilisation des deux outils les plus importants en surveillance. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pissotières portatives, tout ce qui entre finit par ressortir. C'est bien utile au cinéma aussi. Allô? Quel hôpital? Très bien, j'arrive tout de suite. Il faut que j'y aille. En plein milieu d'une planque? Un problème familial urgent. Ah. Je reviens dès que je peux. Merci d'avoir appelé. Comment va-t-il? Il va s'en sortir, c'est le plus important. Écoute, le médecin a dit qu'il devra le signaler à la police. On va donc nous poser des questions qui vont nous déranger. Je vais aller le voir et prendre sa déposition. Et puis je vais la perdre. Merci. C'est normal, non? C'est ma faute, et si j'étais venu faire la course... Cathy et toi, vous êtes pareils, décidément. Elle et toi, vous vous croyez responsables de ce qui arrive aux autres. Mais mettez-vous dans la tête que les gens sont capables de commettre des erreurs tout seuls, comme des grands. Je m'en souviendrai. Eh bien, je l'espère pour toi. Parce que tu vas sûrement être tenté d'en commettre une énorme dès maintenant. Je
Je peux savoir ce qu'il fait là. Mike se trouvait là. Il a pu nous aider, et heureusement. Est-ce que tu couches avec lui aussi? Vous voulez vous battre ici, dans un hôpital? C'est exactement ça dont j'ai besoin, alors vous gênez pas! Est-ce que vous savez où sont les parents du garçon? Sa mère est au Canada, je suis sa cousine et je suis responsable de lui. Vous pouvez le voir, mais pas plus d'une minute. Nous devons l'emmener au bloc opératoire. C'est chez nous. Nous devons l'emmener au bloc. Avec moi. S'il te plaît. Non. Juste quelques heures. Je dois m'en aller. Je ne vais nulle part. Les hommes de ma vie m'abandonnent toujours trop tôt. Ce gosse est devenu un homme. Un homme diminué! Tout homme a des cicatrices. Et ton ami aura au moins appris une chose, à ne jamais laisser un adversaire en position de s'en prendre à lui. À Kiev, beaucoup de manchots ont eu affaire à moi. Très bon conseil, monsieur Gargolov. Alors donnez-moi une hache, que cette ordure comprenne la leçon. Je voudrais bien, mais c'est le neveu de ma femme. Vous avez de la chance. Lui, pas moi. Ah, je t'aime bien, Mike. Moi, je vous aime pas beaucoup depuis un moment. Peut-être que ceci te fera changer d'avis.
Ta voiture est terminée et prête à courir. Je vous dis non. Tu n'aimes pas la voiture ? Je n'aime pas les gens qui travaillent pour vous. Parce qu'ils te rappellent qui tu es. Tu travailles pour des hommes comme moi depuis que ta mère est morte et que tu t'es retrouvé à l'orphelinat. C'est le seul moyen pour toi d'obtenir très vite ce que tu veux. Mes envies ont changé. Tu aimes mettre beaucoup d'argent dans des voitures et des femmes. À ton avis, combien de temps ta petite copine friquée restera avec toi dans ces conditions ? Il y a plein de femmes qui aiment encore un homme pour ce qu'il est. Oui, heureusement d'ailleurs. Donc, tu vas reprendre tes livraisons de pizza sur ta belle petite pétrolette. C'est bien ça. Oh, de qui tu te moques, là ? Tu ne feras pas fortune comme ça. Je n'irai pas non plus en prison. Tiens, c'est une avance. Va t'acheter des vêtements sur lesquels il n'y a pas de numéro de téléphone. Tu cours pour moi. Et pour mériter ce privilège, tu tiendras le volant pour quelques petites escapades. Si tu retires mon argent de ta poche, je prendrai ça comme une insulte. C'est pas du tout ce que je veux. Je le crois aussi. Demain, tu emmèneras Marcus, Fred et Axel récupérer quelques documents comptables. Il faudra probablement les ramener très vite. Je suis sûr que ça ira. Dis donc, t'as pas une petite envie ce matin ? Non, merci. Ça tombe bien, va falloir le vider. Ça se remplit vite. Tu ouvres l'œil, on est bien d'accord ? On est d'accord. Il paraît que c'est le meilleur restaurant du coin. Ah oui ? Ah ben, voilà, je crois que c'est là. Véhicule suspect. Suite sur site, 20 secondes. À toutes les unités, on a de la visite. Laisse tourner le moteur. Il n'y en a pas pour longtemps. Gardez vos positions. Personne ne bouge avant mon signal. Intervenez !
quand tu veux, petit. Raynor a été transporté en salle de réveil. Il a bien supporté l'opération. Est-ce qu'il va retrouver l'usage de sa main? Il faudra des mois avant qu'on sache quelles seront ses sensations et sa mobilité, mais ne comptez pas sur lui pour devenir un grand pianiste. Bravo pour votre travail, docteur. Et merci. Rentrez chez vous et reposez-vous. Je vais remorquer la voiture au garage, d'accord? Je vais rester ici et attendre qu'il se réveille. Après, je te rejoindrai. La banque vient demain, je dois faire du rangement. Je te vois tout à l'heure. Je t'arrête. Pas encore, non? Je t'ai vu prendre part à un braquage aujourd'hui, et ça ne doit pas être le seul crime que tu aies commis. C'est bien possible. Mais comment vas-tu expliquer le fait que tu m'aies reconnu? J'avais vu tes exploits aux États-Unis. Oh! Et qu'est-ce que tu cherchais? L'identité des associés d'un certain Gargolov. Et tu es remonté jusqu'à Gargolov parce que tu suivais Steph, que tu as connu en faisant du street racing, chose tout à fait illégale. Prouve-le. J'ai pas à le faire, je suis pas de la police. Par contre, il suffit que je dise deux mots à ton patron, et le mal sera fait. C'est une menace? Attends, c'est pas moi qui suis armé, et c'est moi qui te menace? Je vais t'interpeller. Ça peut attendre la fin de la course. Quelle course? Celle que tu vas gagner tout à l'heure pour que Cathy garde le garage. Tu n'as qu'à la faire, toi. Je t'ai vu piloter. Je ne peux pas gagner cette course. Toi, oui. Moi, demain, je serai toujours un truand. Mais Cathy, elle n'aura plus rien. On n'en restera pas là. T'inquiète pas pour ça. Elle tombe bien. Attends d'avoir roulé avec. L'avant aussi en pièces détachées. Faites-moi une offre. Mais faites-la aujourd'hui. Que vous voudrez.
apporter ta hache? Ouais, et je vais te les couper avec quand j'aurai gagné la course. Ah, c'est ça l'enjeu, ça doit pas peser lourd chez toi. Hey, on se calme. Hey, gardez vos forces pour la course. Tu peux être prêt dans 5 minutes? Si tu m'accordes un tour de chauffe. Bien. Pas trop la peinture. C'est comme ça que tu pilotes? C'est comme ça que je gagne. Conduit comme ça dans le Tennessee? Avec les yeux bandés. Tu as été bien sage pendant mon absence. Ah, que non.
J'ai gagné ça pour toi aujourd'hui. Une pizza? Avec un supplément de pepperoni. Il y a beaucoup de pepperoni. Qu'est-ce que t'attends de moi en retour? Garde le garage ouvert, envoie promener la banque et prépare plus de voitures pour les courses. Peut-être me laisser piloter de temps en temps. On verra. T'es sauvé, en laissant tous les hommes derrière. Ça n'est pas très loyal. Moi, je suis loyal envers moi-même. Certains appellent ça de la lâcheté. J'appelle ça de la survie. Ça te plaît de bousiller mes voitures? Steph a couru contre moi. Il n'a pas perdu que la main. Vous allez me tuer? J'y ai songé, mais... un accident, ça arrive. C'est la vie. Et puis, en plus, j'ai parié sur ta victoire. J'ai gagné assez pour offrir un joli cercueil à Steph, et il me restera plein d'argent après. Tant mieux, monsieur Gargolov, comme ça on se séparera en bons termes. Je ne travaille plus pour vous. Tu es un pilote très doué. Grâce à toi, je n'ai plus aucun pilote, et tu voudrais que je te laisse partir comme ça. Je m'en vais quand même, désolé. Il y a plein d'autres endroits sur Terre, Mike. Pourquoi t'as choisi ce pays? Les gens sont prudents sur la route? Un de ces jours, Mike. Un jour, toi et moi, nous partirons ensemble dans cette voiture. Devant nous, il y aura la route à l'infini. Je suis pressée d'y être, papa. Tu y es déjà. Tout ce que tu as à faire, c'est fermer les yeux. Tu peux me déposer? Peut-être bien.
Monte, on verra. Merci pour ce que tu as fait hier. Quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Tu le sais, grâce à toi, j'ai sauvé mon garage. Ta façon de conduire est unique. Comme ta façon de... De coucher. J'allais dire de faire l'amour. Il y a une différence. C'est vrai. Je peux monter ? Non ! Oui, tu peux monter. Si tu mets de la pizza dans cette voiture, je te tue. Est-ce qu'il y a encore de la place ? D'habitude, je ne prends pas d'autostoppeur. Mais je peux faire une exception. Ne va pas trop vite, faut pas qu'on se fasse flasher par la police. Dépasser les limites, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Il serait peut-être temps de t'y mettre. Où est-ce qu'on va, alors ? Je ne sais pas. Mais je suis content que tu sois venu. Moi aussi, Pizzaiolo. Peut-être que tu devrais regarder où tu vas. Je vois. Will you come with me?